bravo déjà aux joueurs, ça c'est certain. Bravo aussi donc aux supporters et puis à tous les gens qui accompagnent un petit peu la JSK là où elle va. Aujourd'hui, on avait quand même que 11 joueurs, plus un sur le banc, et puis un blessé, et puis les autres étaient gardés en but. Pour moi, c'était un grand exploit que les joueurs ont conquis aujourd'hui, parce qu'il fallait quand même jouer, éviter des blessures, mais en même temps produire du football. Je suis sûr que tout le monde a apprécié la première mi-temps de la JSK, où le ballon circulait. C'était plaisant à voir, on s'est créé des occasions, on s'est fait plaisir. D'abord. Bon, deuxième mi-temps, c'était un petit peu moins beau, haché. On cherchait quand même à faire la différence. On a quand même marqué un but sur le corner. Finalement, l'adversaire a quand même sorti un petit peu, nous a quelque peu inquiété, même en première mi-temps sur 2-1. Bon, finalement, je pense quand même, rien qu'avec le courage que les joueurs ont eu et suivant un petit peu les efforts fournis pour la Coupe d'Algérie, finalement, ils sont sortis grandement avec une victoire au pénalty. Je pense que. Je me rappelle bien sorti, c'est un peu malade. Mais je ne me rappelle pas après la Coupe d'Algérie, un peu malade. On a gagné le match. نقوم على كارت من بليزي بوكي يعني استنى كريم حاول يتاهل السلام عليكم بالمناسبة كيما يقول لك تاهل هذا كيما يقول لك جا في وقته باسكو حنا كنا فرحانين بلاكوب الجيري الحمد لله زاد ربي وفقنا باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون هنايا قدام الجمهور تاعنا الحمد لله يا ربي وفقنا وحققنا وشفنا مؤمنين العرفي اليوم راه شفناه كان راه مصاب صح رغم ذلك دخل في اللقاء وعاد ادى قبل الواجب تاعو والله كيما يقول لك احنا رانا هنا رانا في خدمه الفريق في كل وقت يحتاجنا الفريق رانا هنا يا سواء بليزي سواء اسمو جمهور كيما تاع شباب القبائل كفى بالموت في الدنيا نورمال على جالو يستاهل كل خير هذه انا كنت بليزي سي فريت بليزي الماتش الاخر هذا تاع لاكوب مالغري كيما يقول لك كان اضطراري عليا باش ندخل تسمى باش نعاون صحابي الحمد لله يا ربي كيما يقول لك دخلت مالغري الاصابه مي دخلت وعاون صحابي هذه Écoutez, maintenant je vais essayer de dire à mes joueurs avant les matchs plutôt, de leur dire on n'a pas besoin de ce match, comme ça ils vont gagner par 3-0 et se qualifier. Parce que pour moi, j'ai pas mis comme objectif, et les joueurs ils ont mis la CAF objectif. Maintenant, on est content pour tout le monde, surtout qu'après la Coupe d'Algérie, on se qualifie malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées à Libreville. Et bien on est très content et on va préparer le prochain match comme il se doit pour nous qualifier et pourquoi pas après avoir comme objectif de gagner la Coupe d'Afrique. قاموا 50% وانت تكفلت ب 550% اللي قعدت في ضربات الجزاء اللي كنت حاسم فيها. يا خويا اش نقول لك الحمد لله باسكو لو كان ماشي صحابي اللي ماركوا ونقدروا يماركوا ثلاث اهداف ما لحقوش لي بيناتي. واش نقول لك كملت واش داروا هما سجلوا ثلاث اهداف وانا درت العليا الحمد لله وين جبنا هاد لا كاليفيكاسيون زدنا كملنا الفرحه تاع كاس الجزائر الحمد لله بوفيك سادي ان شاء الله كلمه للجمهور الشعبي يا خويا ان شاء الله يقعدوا مورانا هكذايا باسكو اون ايكيب توجور كاين فيها دي فيكتوار دي ديفات وتوجور يزم مع هاد ليكيب باسكو اون اون ايكيب جان وهاد العام شغل جات جاو لا ماجوريتي كاع جداد ان شاء الله يطولوا ويريحوا توجور معنا باش هما نفورميو الجروب سعودي تليفون سا بارازيت الوغ بور راديو الجيريان Victoire méritée, il fallait la prendre avec un effectif décimé, coach. Oui, bon, bravo aux joueurs, hein, parce que franchement, on n'aurait jamais cru que les joueurs tiennent le coup. Je pense qu'ils vont être épuisés pendant plusieurs jours. Bon, le bonheur est qu'à la fin, on ait gagné le match. Ils ont fait une première mi-temps, une grande première mi-temps, surtout au niveau du jeu. Très bonne circulation du ballon, des occasions. Le ballon est roulé, ils se sont fait plaisir, ils nous ont fait plaisir. Mais en deuxième mi-temps, on a quelque peu un petit peu reculé. Eux, ils ont mis un attaquant en plus.
ce qui nous a poussé peut-être un petit peu derrière à commettre quelques petites erreurs qu'on a vite commis. Et je dis aussi bravo à City qui a fait une grande prestation. Et puis à Salah, bien entendu, au niveau des pénalties aussi pour sa prestation pendant le match. Et au jeu de pénalty, il y avait une place pour un quatrième but libérateur, non? Oui, les habitants pouvaient certainement si on n'était pas fatigué. On était quand même fatigué. Si on n'était pas fatigué, on aurait pu certainement mettre un quatrième but. Rachid Mahoud qui vit sur la nuit, je remporte une Coupe d'Algérie, 5 jours après, vous réussissez à l'Expo en Coupe d'Afrique. C'est merveilleux à vivre tout ça. Oui, bon, ben, c'est merveilleux pour nous, pour tout le club et pour les gens qui nous font confiance. Premièrement, c'est Rachid qui.